Astronomique. Neuf jeunes entrepreneurs congolais à la tête des plans d'affaires ont obtenu des subventions, atteignant pour certains les 2 millions de francs CFA. Ces subventions ont été apportées par la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie. De la création des unités de production à l'élevage, en passant par l'innovation technologique, ces neuf projets ont convaincu le comité technique de la Confégès. Lise Emilia Batantou est dans l'agroalimentaire et à la tête d'un projet à fort impact social et économique. Le premier impact dans mon projet, donc c'est unité de transformation de la tomate, mais c'est également unité de transformation de d'autres produits agroalimentaires pour pouvoir valoriser le terroir congolais. Donc le premier impact est de réduire le chômage des jeunes. Ça va permettre de diminuer le chômage. Comme vous savez, le chômage est vraiment impacté sur les jeunes. Donc les jeunes, surtout en milieu citadin. Donc ça veut dire qu'on va réduire dans un premier temps le chômage des jeunes au milieu urbain, donc en les déployant justement au milieu rural. Et la chose bénéfique est que le site d'insertion est doté d'un domaine de 5 hectares pour la production agricole. Quel était l'impact au niveau économique, social? Et donc l'impact, je vous ai montré. Après Confégès, ils nous ont surtout montré comment structurer notre plan. Le plan, je l'avais déjà travaillé, mais là, il fallait vraiment rentrer dans les normes Confégès pour montrer à quel point notre plan était vraiment ancré dans l'avenir du pays. Aux jeunes entrepreneurs, Louise René Tobi et Tamendedi, secrétaire générale de la Confégès, lance un appel à la rigueur. Chers jeunes bénéficiaires, je m'adresse à vous particulièrement. D'abord, pour vous féliciter d'avoir été retenu parmi tant d'autres jeunes et pour ensuite vous rappeler que vous constituez désormais des modèles et vous êtes les leaders pour les autres jeunes. Et à ce titre, vous êtes appelés à mettre en pratique toutes les habiletés et les aptitudes indispensables à un bon entrepreneur. Oui, donc, en étant rigoureux, consciencieux, en respectant le petit appui qu'on vous donne et l'accompagnement de votre gouvernement, il faudra vraiment que dans 2 ans, quand on viendra ici, qu'on puisse voir que des choses ont avancé. À côté des remises d'échecs, cette cérémonie a également été celle du lancement des 2 sessions de formation des jeunes au volontariat et des cadres des instituts de la Confégès. À vous, mesdames et messieurs les experts et les participants à la commission consultative permanente sur la formation des cadres, je subodore la réflexion qui suscitera le thème de votre session qui porte sur l'harmonisation des programmes de formation en sciences et techniques des activités physiques, sportives et de loisirs. Car cette thématique est d'actualité dans la vision de la Confégès, à savoir l'intensification de la formation et des réformes. Président en exercice de la Confégès, Hugues Golodeli a dit également être satisfait de l'aide octroyée aux jeunes entrepreneurs congolais, car elle soutient tant soit peu l'entrepreneuriat congolais dans sa phase de croissance.